destroy this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than me when it comes to construct. Salut, mesdames, messieurs. Bienvenue sur www.gospelcourse.net. C'est l'émission Conviction qui va recevoir aujourd'hui pour vous le pasteur David Lutuka, berger du tabernacle du Beit de Branham qui est à Kingabwa Poincho. Nous allons le recevoir aujourd'hui pour parler sur les questions de l'heure. Il va réagir sur sa note vocale qui fait couler beaucoup d'encre de salive sur Internet. Bonjour pasteur et bienvenue sur Gospel Cross. Bonjour mon bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Pasteur, avant de commencer, qui est pasteur David Lutuka? Parlez-nous de vous et de votre carrière, comment vous avez commencé et jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on vous rappelle qu'il va fêter les 15 ans depuis qu'il a commencé à travailler en solitaire, c'est-à-dire quand il a commencé à travailler et a ouvert cette œuvre. Pasteur, parlez-nous de vous. Oui, parce que l'histoire ne change pas. Je réponds au nom du révérend pasteur David Lutuka. J'écris ce message en 1995, donc 95. C'était à partir de l'église primitive, chez le révérend pasteur Cass. C'est là que j'écris ce message. Dieu m'a fait grâce d'évoluer là-bas. Je fais là-bas au moins 7 ans, jusqu'à ce que nous avons découvert que le pasteur Cass, lui-même qui nous avait apporté la parole, avait dévié ou il avait abandonné la parole. C'est ainsi que depuis 2002, nous avons quitté l'église primitive. Nous évoluons, comme vous venez de le dire là. Et c'était en 2004 que nous avons commencé notre petite église qui au départ portait le nom de la petite mission tabernacle, et Dieu nous a conduit à changer pour mettre le tabernacle du Beit de Branham. Donc c'est un peu ça. Veuillez nous parler de ces points de divergence entre vous et pasteur Cass. Bien, je sais que ce n'est pas le sujet qu'on va parler aujourd'hui, mais c'est juste une petite anecdote. Comment vous vous êtes séparés avec pasteur Cass? Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Et si c'est pour la parole, qu'est-ce qui s'est passé entre vous concernant la parole? Ouais, bon, c'est lui qui m'a prêché le message. Je suis reconnaissant pour ça. Moi, je ne connaissais pas Branham. C'est lui qui m'a appris qui est Branham. Mais au fur et à mesure que nous avancions ensemble, je finis par découvrir que ce sont eux-mêmes qui nous ont apporté le message, qui sont les premiers aussi à combattre ce même message. Alors, quand c'était en 2001, Edward Frank était venu ici, c'est lui qui est venu nous corriger sur la doctrine de la polygamie et d'autres choses. Et c'est ce qui nous avait motivés à revoir les déclarations de Edward Frank, et c'est par là que nous tous qui faisaient partie de l'église primitive, nous avions rejeté Edward Frank parce qu'on avait compris que selon ce que le pasteur Cass nous enseignait, qu'il fallait suivre après William Branham, un homme qui devait prendre sa place était Edward Frank, mais on a fini par comprendre que ce n'était pas le cas. C'est ainsi que nous avons pu nous-mêmes revoir les déclarations de Edward Frank à la lumière de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous avons commencé à revoir chaque déclaration à la lumière du message. C'est de là que nous découvrirons que pas seulement Edward Frank il était à côté, mais aussi le pasteur Kassambakana. Comme par exemple, il prêche la polygamie. Branham n'a pas prêché la polygamie. Il est contre les 7 tonnerres. Branham a prêché les 7 tonnerres. Il est contre beaucoup de choses. Donc s'il fallait citer ça ici, vous allez découvrir que pasteur Kass est totalement à côté. Actuellement, je crois que les 7 tonnerres sont révélés. Je crois à la prédication sur les mariages et les divorces telle qu'apportée par William Branham. Je crois que Jésus n'est pas encore venu, on doit l'attendre. Je crois tout ce que Branham a dit. Donc, la doctrine du message, c'est tout ce que Branham a dit. Ce qui n'est pas le cas avec, par exemple, l'ancien Cass. Pour lui, dans le message de Frère Branham, il y a des choses à prendre et d'autres à laisser. Et c'est presque le langage de presque beaucoup d'anciens.
pour eux, ce que Banham nous a apporté avant 63 contenait beaucoup d'erreurs. Mais après 63, Dieu est venu les corriger sur certaines choses. Alors que Frère Banham dit que un prophète, c'est celui qui est né avec l'insidie le Seigneur, y compris sa vie, ses erreurs. Tout ce qu'il est, c'est la parole de Dieu. Vous n'allez pas trouver dans la Bible un laïc nous montrer les erreurs du prophète, ce qui nous étonne. C'est ainsi que Branham a dit que c'est normal qu'aujourd'hui, nous, chez nous les nations, nous puissions minimiser les déclarations du prophète. Mais les Juifs, les Israélites connaissent tellement qui est prophète parce que pour eux, tout ce que les prophètes disent, c'est la vérité. Ce n'est pas étonnant si chez nous les nations ici, nous tâtonnons, nous comparons, nous prenons, nous rejetons, c'est tout à fait normal. Mais un prophète, quand il dit quelque chose, on n'a pas le temps de vérifier ça. Vérifiez dans la Bible. Avez-vous déjà vu un laïc ou un homme du peuple parmi les peuples juger les prophètes? Non. Si Moïse n'avait pas lui-même pu nous montrer son erreur en frappant le rocher deux fois, qui aurait su que c'était une faute? C'est parce que lui m'est venu nous en parler. S'il n'avait pas dit ça, ça allait rester comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui, pendant que Dieu nous a envoyé un prophète plus grand que Moïse, nous jouons avec ces ministères-là? Et qui sont tous ces ministres-là pour venir dire que non, ici il a parlé comme un homme, ici il a commis une faute, ici là ce sont des erreurs? Qui sont-ils? Vous avez une telle expérience avec les hommes de la Bible. Vous voyez? Ce sont des choses que les gens prennent ça à la légère, mais c'est très sérieux. Ça coûte très cher. Vous voyez? Quand un homme de Dieu qui se permet, qui a l'audace de prendre une déclaration du prophète et dire que ça c'est faux, et si c'est vrai, qui lui a donné ce genre de ministère-là? Je n'ai jamais vu ça dans la Bible avec Josué sur Moïse. Je n'ai jamais vu dans la Bible avec Élisée sur Élie. Je n'ai jamais vu dans la Bible. Je n'ai jamais vu un lévite venir après pour dire que non, quand Moïse parlait en disant ceci, cela, c'était une faute. Mais nous remarquons ça dans le soi-disant ministre du temps de la fin à l'égard de ces grands prophètes William Branham. Est-ce que réellement tous ces vieux qui nous ont apporté ce message croient-ils au message des frères Branham? Ce sont des questions qu'on doit se poser tous. Ils disent qu'ils croient qu'il est prophète. Est-ce que réellement ils croient qu'il est prophète? Un prophète, c'est celui qui écrit la Bible. Qui était au temps de Moïse? Plutôt, qui était au commencement? C'est Moïse qui est venu plus tard, de siècles et des siècles, pour nous dire qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est Moïse qui vient nous dire que Dieu a créé l'homme le sixième jour. On peut vérifier sur base de quoi? Quelle est la référence que nous pouvons utiliser pour vérifier que ce que Moïse avait dit est vrai ou faux? N'est-ce pas tout le monde sur la terre croyait à ça? Mais il était un homme comme toi et moi. La Bible porte le nom des humains. Nous avons des parties de la Bible qui s'appellent, par exemple, Joël. Nous avons des parties de la Bible qui s'appellent Daniel. Vous, dans votre famille, vous n'avez pas de Daniel. Vous voyez un peu ça. Donc, un prophète, ce n'est pas quelqu'un avec qui on doit jouer. La Bible dit, si quelqu'un n'écoute pas ses prophètes, il sera exterminé de la ville. Deutéronome 18, verset 15. Donc, un prophète, c'est la parole de Dieu pour un temps donné. Quand Dieu vous envoie un prophète, sa vie, ses opinions, ses pensées, sa prière, tout ce qu'il fait, c'est la parole. Vous voyez? C'est ainsi dans la Bible. Vous allez voir, quand on dit la parole, y compris les erreurs de ces gens-là. Imaginez-vous un peu un homme comme David. Ses erreurs, en allant commettre l'adultère, Frère Banham vient plus tard nous révéler que c'était la parole de Dieu. Donc il fallait que David tue Uri les tiens pour que ça représente plus tard le véritable David qui, à la croix, au front spirituel, va tuer pour nous notre premier mari qui est la mondanité. Il fallait qu'il y ait une telle personne, pour que en tuant maintenant Uri les Hétiens, plus tard David puisse maintenant engrosser
Bercheba, pour enfanter un Salomon. Ce qui a aussi été accompli dans le Nouveau Testament, dans l'antitype, quand nous voyons Jésus-Christ, le véritable David, parce que c'est lui le vrai fils de David, quand il viendra aussi plus tard, il va aller à la croix pour tuer Ilure les tiens, afin qu'il nous prenne comme sa chère épouse et que nous enfantions maintenant la nouvelle vie qui est le vrai Salomon. Vous voyez? Les erreurs de Moïse, là, en épousant une femme éthiopienne et tout ça. Les erreurs de Salomon, en épousant autant de femmes. La Bible nous parle, c'était de l'idolâtrie. Mais c'était un homme que Dieu avait choisi. Au moment où nous parlons, Salomon est au ciel. Il fera partie de l'enlèvement. Vous comprenez un peu ça? Donc, les difficultés que nous, les gens de la nation, nous avons, c'est parce qu'au cours des âges, nous n'avons pas reçu des prophètes. C'est ainsi que nous ne savons pas respecter un prophète. Mais dans Matthieu chapitre 10, 41 nous dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il aura la récompense du prophète. Tout ce que nous voyons dans ce message, d'un côté je le comprends mes frères, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas le ministère prophétique et son impact et son importance. Voilà pourquoi il y a toutes ces histoires-là que nous voyons dans ce message. L'un dit ceci, l'autre dit là-bas ceci, l'autre fait comme ça. C'est tout à fait, c'est ça les conséquences. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a pu aider de comprendre qu'on est prophète de façon ininterrompue toute sa vie. On est prophète et on meurt prophète. Même après la mort, on demeure toujours prophète. Vous avez l'histoire de Samuel. Il a prophétisé même après la mort. Voyez un peu ça. Donc, c'est, en un mot, c'est comme ça, mon frère. Les différences entre moi et les anciens, c'est parce que nous, nous avons compris qu'on ne discute pas avec les déclarations faites par le prophète de l'âge. On croit tout ce qu'il dit. Tout ce que Branham a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité. Vous voyez? D'accord. Merci, pasteur. Nous allons directement parler de cette note vocale. Vu l'ampleur de cette note vocale qui circule dans des réseaux sociaux, on nous appelle de partout à l'étranger. Vu l'ampleur de cette note vocale, et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et le pasteur Barouti, c'est un ancien, c'est votre ancien direct du message. Pourquoi avoir de tels propos? Pourquoi avoir de telles réactions envers ce grand homme? Ok, merci beaucoup. C'est une belle question que j'aimerais aussi préciser. En faisant ces vocales-là, je ne cherche pas à changer l'histoire, mon frère. C'est connu de tous dans notre pays RDC que le pasteur Barouti, si je crois qu'il pourra suivre ça, et tant d'autres hommes de Dieu ne pourront pas dire le contraire. Le révérend pasteur Barouti, c'est un grand homme de Dieu de la RDC, et actuellement, même à travers le monde, il fait partie des grands hommes de Dieu, n'est-ce pas? Et s'il fallait parler en termes vulgaires, je dirais qu'il n'est même pas mon père, il est mon grand-père. Parce que pasteur Barouti étant le pasteur de Rigini, c'est lui qui a prêché mon pasteur Kassambakana. Et Kassambakana m'a prêché. Vous voyez? Donc, je ne peux que le respecter. Vous voyez? Pasteur Barouti a beaucoup travaillé, Dieu l'a béni. Je ne connais pas un homme de Dieu dans ce pays qui a pu travailler plus que le pasteur Barouti dans ce message. Je ne connais pas. Je ne mange pas le. Moi, je ne suis pas flatté. Vous voyez? Mais laissez-moi aussi vous dire, toujours en RDC, s'il y a actuellement un homme de Dieu qui sème les troubles, la confusion, je ne connais pas un autre homme de Dieu qui sème la trouble, la confusion plus que le pasteur Barouti. Alors, maintenant, ça doit être pour nous une faiblesse parce qu'il est grand, parce qu'il est un grand ancien, il est un grand pasteur, on doit le laisser faire n'importe quoi. Non. En parlant de s'aimer des troubles et de la confusion, est-ce que vous pouvez le prouver, c'est-à-dire nous démontrer qu'il sème, qu'il a déjà sémé des troubles et de la confusion une fois? Oui, il sème des troubles dans beaucoup de choses. Bon, je sais que souvent il se base sur sa commission, que j'ai pu remarquer qu'il a toujours mal compris. C'est lui-même qui est venu nous relater sa commission. Et dans le troisième point, il avait dit, quand les fausses doctrines entreront dans le message,
Dieu lui donnera une intelligence pour pouvoir bouter ça dehors. D'abord, il doit bien préciser sa commission. Là déjà, il y a des fautes à corriger. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, prenez Osée chapitre 12, verset 14, on dit là-bas, « Par un prophète, Israël fut sorti de l'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. » Celui qui veille sur la parole n'a jamais été un Éphésiens 4. C'est le prophète. Moi, je comprends plutôt s'il pouvait dire que Dieu lui avait dit que quand les fausses doctrines entreront dans son église, ça c'est le travail de chaque pasteur. Parce que je crois que Dieu doit lui avoir dit, tu es pasteur en Kinshasa. Vous voyez? Et Dieu lui a aussi donné des dons. Et Dieu lui a dit, quand les fausses doctrines entreront, entreront où? D'abord, dire que quand les fausses doctrines entreront dans les messages, c'est une confusion. Le message de Frère Branham n'a pas de fausses doctrines. Le message de Frère Branham, c'est ainsi dit le Seigneur. Et le message de Frère Branham, vous pouvez vérifier dans beaucoup de prédications, Branham avait dit, son message ne deviendrait jamais une dénomination. C'est la parole de Dieu. Dire que quand les fausses entrent dans les messages, c'est la confusion. C'est dire la chose et son contraire. C'est comme dire que quand les fausses entrent dans la parole, est-ce que dans la Bible les fausses peuvent entrer? Non. Quand les fausses doctrines entreront dans mon église, là c'est normal. Comme je crois Timothée, Paul l'avait laissé quelque part pour que s'il y a des gens qui viennent prêcher des fausses choses, qu'ils puissent les contredire. Là c'est normal. Vous voyez, en tant que pasteur, je dois veiller sur mon église. Frère Branham dit que, la Bible dit que Frère Branham dit qu'un pasteur véritable, c'est quelqu'un qui sait garder les gens dans la parole. Vous voyez un peu ça. Alors, écoutez maintenant. Quand les fausses doctrines entreront dans le message, non. Dieu ne peut pas nous donner une commission avec beaucoup de confusion. Non, non, non. Quand les fausses doctrines entreront dans mon église, vous voyez, le message... C'est le corps de Christ. Le message, c'est ainsi dit le Seigneur. Le message, c'est ce que disent le band. Dire que quand les fausses doctrines entrent dans les messages, c'est supposer que dans ce que Branham dit, il y avait des fausses doctrines. Ça mérite une correction. Deuxième chose, Dieu me donnera une intelligence pour le bouter dehors. Moi, je crois que le pasteur Barouti précipite dans sa commission. Il avait dit lui-même, Dieu me donnerait une intelligence. Il fallait d'abord, quand une fausse doctrine vient, il fallait que le révérend Barouti aille d'abord prier. Seigneur, donne-moi une intelligence pour chasser ceci. Je donne l'exemple à Ramassan en passant. Le révérend Lifoko avait chanté Dieu au féminin. Il a montré là-bas clairement que Dieu est une mère. Il n'avait pas dit que Dieu est une femme. Vous voyez? Il y a une différence entre être une mère et être une femme. Tu peux être une mère, tu peux être une femme, mais tu n'as pas la maternité. Parce que tu es mère quand tu as la maternité. La maternité, c'est avoir la vertu d'aimer, de mettre au monde et d'élever les enfants. Une femme qui n'a pas l'amour de mettre au monde, qui n'a pas l'amour d'élever les enfants, qui n'a pas l'amour de prendre soin des enfants, n'a pas la maternité. Beaucoup de femmes ici n'ont pas de maternité. Et c'est ça qu'il faut maintenant venir condamner. Tu vois, Dieu n'est pas une femme, mais Dieu est notre mère. El Shaddai, elle porte des seins. Lui, faut quoi chanter ça? Mais qu'est-ce que nous voyons avec les révérends Beka? Il va prendre une citation où Frère Branham condamne que Dieu n'est pas une femme pour bouter ça, soit disant que non, Dieu m'avait dit quand les faux dont il enterrera. Il prend ça, une citation où Dieu refuse d'être une femme pour détruire la déclaration où Branham dit que Dieu est une mère. N'est-ce pas une confusion? Même dans la nature, Frère Branham m'avait dit, j'ai été à la fois père et une mère pour Billy Paul. Est-ce que Branham était une femme? La maternité, c'est un attribut, c'est une qualité. Il y a des hommes qui ont la maternité, mais les femmes n'en ont pas. Ça, c'est un exemple. Vous voyez, il y a tant de choses comme ça. Frère, le pasteur Barouti, c'est un vieux qui devait rester à sa place. Il a quitté sa place pour semer des confusions dans les messages. Un autre exemple. Le pasteur Barouti, c'est un ancien croyant du message actuellement en RDC. Je crois,
c'est vérifiable, c'est lui qui a prêché Vibidi là. Mais cela ne donne pas la place du doyen des anciens, s'il vous plaît. Selon le message de frère Branham, on est doyen quand on est pasteur dans la plus ancienne église. La plus ancienne église du message en RDC, ce n'est pas Rigini. Voilà comment il sème la confusion. Je précise, pasteur Baruti, par rapport à l'histoire, il est le plus ancien croyant du message. Mais il n'est pas le doyen des anciens. Le fait que vous soyez le plus ancien croyant du message ne fait pas de vous évêque le doyen des anciens. Sinon, que dirons-nous maintenant de André et Pierre? Qui a prêché Pierre? C'était André. Mais remarquez, quand Jésus est venu, c'est à Pierre qui est devenu le pasteur d'André. L'évêque de Jérusalem, ce n'était pas André. Alors André allait dire que non, comme c'est moi qui t'avais prêché, comme c'est moi qui t'avais monté Jésus, je suis ton évêque. Ça n'a pas de sens. Prenez Paul et Ananias. Celui qui avait baptisé Paul. Qui avait prêché l'autre? Mais qui était devenu le messager de l'autre? C'était Paul. Voyez un peu ça. Prenez au temps de Jésus. Qui avait baptisé Jésus? C'était Jean-Baptiste. Mais Jésus était plus grand que Jean-Baptiste. Le fait que vous avez baptisé quelqu'un ne fait pas de vous plus grand. Moi, je ne comprends même pas pourquoi les gens s'embrouillent là-dessus. Oh non, tu ne m'as pas baptisé. Non, ça ne tient pas. Vous voyez, parlons un peu de l'histoire. Là aussi, le pasteur Baruti sème la confusion. Le pasteur Baruti, je précise, il est le plus ancien croyant du message. Mais il n'est pas l'évêque de Vibidi là, s'il vous plaît. Vibidi là est devenu acquitté pour aller commencer l'église en Bujimaï depuis Kilang ou depuis l'église de Mukuna. S'il faut chercher à connaître qui est le doyen des anciens, cherchez l'église de Mukuna. Qui est l'actuel pasteur de l'église de Mukuna aujourd'hui? Qu'il soit jeune ou pas, le fait seulement qu'il est pasteur dans la plus ancienne église du message, c'est lui le doyen des anciens et de Vibidi là, et de Baruti et de nous tous. Remarquez, Vibidi là est plus ancien pasteur que Baruti. Voyez un peu ça. L'église du pasteur Baruti est sortie de l'église de Mukuna. L'église de Vibidi là est sorti de l'église de Mukuna. Mais Vibidi est sorti avant. Baruti est sorti en 81 avec son groupe. Et d'ailleurs même, il est devenu pasteur en 93. Dans les années 70, Vibidi était déjà devenu pasteur. Il n'y a pas de comparaison. Comme actuellement. Et le pasteur Kalumbu, il est sorti d'où? De Rigini. Baruti est son ancien et son évêque. Vous voyez? Moi, mon évêque, c'est qui? C'est Kasambakana. Moi, je suis sorti de chez le Kasambakana. Kasambakana est sorti de qui? De Baruti. Qui est le pasteur de Rigini actuellement? C'est le pasteur Baruti. Le jour Baruti quittera la scène, celui qui deviendra pasteur, c'est celui qui deviendra le doyen de toutes les églises qui sont sorties à Rigini. Mais remarquez, à un moment donné, ici, il y avait des discussions, des débats inutiles, mal placés. Baruti s'est proclamé l'évêque général de la RDC. La confusion. Baruti n'est pas l'évêque général de toutes les églises du message. Voyez, ceux qui sortent de Vibidi là n'ont pas comme évêque général Baruti, non. Baruti est mon évêque général, mais il n'est pas l'évêque général de Vibidi là. Baruti est l'évêque général de Kasambakana. Baruti est l'évêque général de Kalumbu. Tous ceux qui sont sortis de Rigini après 81, Baruti est leur évêque. C'est ça la vérité. Vous voyez, je suis en train de protéger l'honneur de la famille. Ah, si les gens me comprennent mal, tant pis. Moi, je fais mon travail. Vous voyez, le message nous donne tous la permission de les défendre. Je dois les défendre. Je ne dois pas regarder la figure de quelqu'un pour défendre ce message. Non, mon frère. D'accord. En parlant de la défense, comme vous voulez bien défendre le message, révérend, quels sont les propos de pasteur Baruti qui vous ont poussé à agir comme ça? Ok.
que mon frère, le pasteur Bawuti, ce que je regrette beaucoup en lui, c'est parce que lui ne vérifie pas correctement. Il ne fait pas selon ce que la commission lui avait dit. Je te donnerai une intelligence. Pendant que la Bible avait promis, ceux qui auront l'intelligence comprendront. Lui, quand on nous en parle, ce sont des atalaks ou des fanatiques qui viennent chercher pour le sucer un peu d'argent, tout ça. Moi, je ne suis pas un flatteur. D'ailleurs, je ne cherche pas l'argent de quelqu'un. Moi, mon problème, c'est mourir pour ce message. Dieu m'a créé, je suis né pour défendre la parole. Le pasteur Bawuti, lui, je ne sais pas, c'est parce qu'il veut être plus grand que tout le monde, même chercher la place qui ne lui revient pas, ce qui a tué Ozias. Il était sacrificateur, il était plutôt roi. Il a fait des exploits pour le Seigneur à son époque, il fallait rester à sa place. Il est allé chercher à être sacrificateur. Il est mort lépreux toute sa vie. C'est ce que je crains pour les révérends Bawuti, que cela lui arrive aussi. D'ailleurs, moi, je ne suis même pas ça. Parce que ça me décourage actuellement de suivre un peu la RTVA qui ne reflète plus la voix de l'aigle. J'avais suivi, c'est un de mes collaborateurs qui est venu me donner, regarde un peu ce que le vieux Beka dit contre Joseph. Moi, j'ai la préliminaire de Joseph, prêché le 3 septembre 2017. Nous sommes en contact avec les gens de Jeffersonville et Canada. Ils nous envoient des documents si nous demandons cela. Alors, Joseph Banima fait certaines déclarations qui ont été mal rapportées ou qui ont été mal présentées par ceux qui ont lu ça ou par les révérends Bawuti lui-même. Il dit là-bas qu'au Banam Tabernacle, on ne croit pas à la semence du serpent, par exemple. Ce qui est faux et archi-faux. Il a dit que Joseph Branham, c'était juste un souhait de la part de son père, comme lui aussi, en tant que papa, il peut souhaiter des bonnes choses pour son enfant. Ce qui est faux et archi-faux. On va en démontrer. Il a dit là-bas que Joseph Branham était prophète mineur. Ce qui est faux et archi-faux. Une réunion des ministres, comme je ne sais pas c'était tenu quand, c'est là qu'on lui a apporté les déclarations faites par le frère Joseph. Et pour maintenant réagir contre cela, le pasteur Bawuti se permet de mentir. Je dis bien de mentir. Il a menti. Tout ce qu'il a raconté là-bas, ce n'est pas ce que Joseph a dit. J'ai les documents des frères Joseph ici. Nous aurons des émissions, nous allons vérifier ça. Il dit par exemple au Banam Tabernacle, on ne croit pas à la semence du serpent. Je vous dis, c'est faux et archi-faux. Ça, c'est une erreur grave. Hein? Ça devient une calomnie. Voici un document, un traité que Joseph Banam a fait sortir dans www.demessage.com. Hein? Vous pouvez recevoir ça si vous voulez aller à la voix de Dieu ici à la 13e rue limitée, même à travers le monde, partout il y a la voix de Dieu dans presque 4 langues, c'est en anglais, portugais, espagnol et tout ça. C'est les livres fait sortir par Joseph Branham lui-même. Et à l'intérieur, il a évoqué au moins 8 sujets. Il a parlé sur le messager, il a parlé sur le surnaturel, le jugement, le nom, la vie après la mort, les péchés originels, les redoutables jours de l'éternel, la parole. Et si vous prenez ça à la page 22, il a parlé sur le péché originel, c'est ça. Le péché originel. Et là, il a démontré ce que c'est la semence du serpent. Exactement comme prêche William Branham. Maintenant, qu'est-ce que les révérends Bawuti cherchent? Pourquoi mentir comme ça? Pourquoi? Vous voyez? Il dit que là-bas, il y a une chaise vide où on adore Branham et tout, et Branham vient, on l'adore, tout ça. Bon, je me réserve parce que moi, Dieu ne m'a pas encore fait grâce pour aller aux États-Unis, Branham Tabernacle, et ils ont déjà voyagé là-bas. Je ne peux pas y entrer là-bas. Il faut D'ailleurs, là, j'en profitais pour vous poser cette question-là.
Est-ce vrai que à Jeffersonville, ils ont une chaise ou une chaise vide et ils disent que Branham est assis là-bas? Bon, moi, je ne suis pas. Je dois parler des choses que je maîtrise, que je connais mieux. Hein? Je n'ai pas encore voyagé pour les États-Unis. Mais nous avons quand même eu l'occasion, au niveau de l'Internet, hein, nous avons des images. Jusque-là, quand je vois les images, je n'ai jamais vu une chaise où ce n'est pas occupé par quelqu'un. Et d'ailleurs, même, c'est nous ici, ce sont nos vieux qui nous ont amené ce système ici d'avoir seulement une seule chaise devant, où les chefs, les rois qui doivent être assis là-bas. Mais ce n'est pas le cas au Branham Tabernacle. Il y a presque trois chaises là-bas. Je vois même Billy Paul qui n'est pas prédicateur, il peut s'asseoir n'importe où. Joseph Branham également. Quand il y avait encore Conlis comme pasteur, il pouvait s'asseoir n'importe où. Il n'y avait pas une chaise là isolée. Je ne sais pas s'il y en a. En tout cas, on vérifiera. Si ce n'est pas, on viendra dire qu'il a menti. Mais si c'est le cas, je me réserverai. Je précise. S'il y a une chaise vide, je me réserverai de condamner ça. Parce que celui qui aura laissé la chaise vide, c'est un prophète. Mais si il n'y en a pas, le pasteur Baruch doit se repentir. Ça, il faut noter ça. Le pasteur Baruch a dit aussi qu'au Branham Tabernacle, on ne croit pas au Saint-Esprit. C'est du mensonge. C'est du mensonge pur et simple. Ça, c'est la haine. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Qu'est-ce que le vieux Baruti cherche? Il cherche quoi? Il ne peut pas rester à sa place. Frère, j'ai les documents de Joseph Branham, que je vais vous lire ça rapidement. J'ai les documents de Joseph Branham. Si vous prenez par exemple une de ses déclarations faites dans une série de Saisir la vision, une des séries de journaux de Joseph Branham, il a intitulé ça « Saisir la vision ». C'était écrit, c'est la série de « Saisir la vision » du 3 mai 98, à la page 13. Écoutez ce que Joseph Branham dit. « Certaines personnes se posent des questions sur moi, se demandant si j'ai un ministère ou le rôle que je joue eu égard à ce que frère Branham a dit me concernant. Il m'a été demandé, frère Joseph, que pensez-vous de votre rôle? Qu'est-ce? Joseph répond, je crois chaque parole que frère Branham a dite, si cela me concerne ou autre chose. Je ne lirai rien d'autre. Je n'y ajouterai ni n'en retrancherai rien. Comment une personne qui peut vous parler comme ça est venue faire volte-face pour dire autre chose? Dans d'autres séries de Saisir la vision, je crois de 2010 ou 2008, il dit la même chose. Il dit, ce que Branham a dit est notre absolu. Tout ce que Branham a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Ce qu'eux ne croient pas. Est-ce qu'ils peuvent dire que tout ce que Branham dit, c'est ainsi le Seigneur? Maintenant, qui est croyant de Branham, qui ne l'est pas? C'est clair. Vous voyez? Ils ont dit que frère Joseph Branham ou Branham Tabernacle, on ne croit pas au Saint-Honneur. Non, c'est faux. Moi, je peux plutôt prouver au pasteur Baruch et à tant d'autres ministres. C'est plutôt eux qui ne croient pas au Saint-Honneur. Le vrai croyant de Saint-Honneur, c'est à Jeffersonville. Attendez, on va faire une autre émission. Je vais vous prouver que c'est plutôt le pasteur Baruch qui ne croit pas que les tonnerres sont révélés. Ne vous en faites pas, je vais vous démontrer ça. Frère Joseph, quand vous allez dans sa prédication là du 9 septembre qui a suscité des agitations, il n'a pas dit qu'il est contre les sept tonnerres. Non. Il dit plutôt... Les gens ont fait des doctrines autour de cet tonnerre, autour des déclarations faites par le prophète sur le sept tonnerre. Ce que nous voyons les gens racontent ici, ce n'est pas ce que Branham a dit sur le sept tonnerre. Je peux donner un exemple à passant. Est-ce que c'est Branham qui aurait dit que les non-nouveaux
de Branham, le nom du veau de Jésus, c'est Branham. Mais on dit ça par-ci, par-là. Est-ce que c'est Branham qui avait dit que les sept dons sont les sept vertus? Ce sont des racontages. Frère Branham a parlé sous les sept tonnerres et il a donné son explication. C'est dans les brochures. C'est ce que Joseph croit. Frère Branham a parlé sur ce que c'est les sept tonnerres. Nous aurons le temps où nous allons. Vous savez, tous ces points énumérés là, nous allons répondre point par point. Dieu nous fera grâce. Nous allons répondre point par point. Dire que frère Joseph et Branham Tabernacle ne croient pas cette honneur, ce sont des mensonges. Ce n'est pas ce que Joseph Branham a dit. Vous voyez? Autre chose, il condamne frère Joseph en disant qu'il est contre la révélation sur le mariage et le divorce. Là encore, c'est du mensonge, c'est faux et archi-faux. Ce n'est pas ce que Joseph a dit. Joseph ne peut, il peut être contre la révélation, pourquoi? Pourquoi? Joseph Branham est contre la polygamie, qu'il parle clairement. Ça m'étonne aussi que frère Joseph prêche et connaît la polygamie. Pasteur Baout réagit. Lui que Dieu avait donné les clés pour détruire les fausses doctrines. Ça me surprend. Moi ici, je connais ceux qui prêchent la polygamie. Ceux qui prêchent la polygamie, c'est d'abord Kassamba Kana. Et ensuite, c'est le vieux Vibidi là. Et ensuite, c'est le Mobonga. Et d'autres qui sont camouflés. Mais celui qui parle vraiment en tonnerre de ces choses-là, c'est Kassamba Kana. Moi, je ne savais pas qu'il y avait aussi le vieux Barout qui croyait aussi à la polygamie. Ça m'étonne. Et c'est ce qui m'a poussé à réagir énergiquement parce qu'il dit que là-bas, dans sa réaction, Dieu va frapper Joseph Branham parce qu'il est contre la révélation sur les mariages et les divorces. Ça, c'est du mensonge. On appelle ça la malhonnêteté intellectuelle. Joseph Branham est contre la polygamie. D'abord, j'attire votre attention. Frère Branham n'a pas prêché la polygamie. Frère Branham a prêché le message intitulé le mariage et les divorces. Je dis bien le mariage et les divorces. Je précise encore, William Branham nous a enseigné le mariage, c'est autre chose. La polygamie, c'est aussi une autre chose. On aura le temps d'expliquer ça avec William Branham. Dans la prédication mariage divorce, Branham évoque la polygamie. Mais il n'a pas prêché la polygamie. Il a expliqué les deux périodes du temps. Il y avait une période appelée le commencement et une autre période appelée après le commencement. Vous voyez? Mais le pasteur Baouti s'est permis de dire que non, qui êtes-vous? Vous jouez avec ça? Et Dieu vous frappera. Ah! Dieu descendre, frapper Joseph Branham parce qu'il est contre la polygamie. Dieu, Zamboa, quel Dieu? Le Dieu de Branham qui avait dit que après William Branham, lui viendra les remplacer avec une double portion. Le même Dieu l'a venu encore frapper. Ah, je comprends. Vous savez, le problème, c'est quoi? Pour respecter quelqu'un, il faut d'abord connaître qui il est. Si vous voyez aussi réagir comme c'est parce que Dieu m'a fait grâce de comprendre qui est exactement Joseph Branham. Excusez, pasteur, j'en profite aussi pour vous poser une question concernant ces problèmes de notre frère Joseph Branham. Est-ce qu'il a un prophète mineur ou majeur? Est-ce que vous pouvez nous les démontrer s'il est mineur ou majeur, mais avec des citations? Ok, mais j'aimerais d'abord que nous donnions la solution à cette problématique sur les souhaits. Vous comprenez? Et le pasteur Baout et tant d'autres hommes de Dieu disent que frère Branham n'avait fait que souhaiter que son fils soit prophète. Nous allons voir ça maintenant. Avant que nous puissions répondre à la question du prophète mineur ou pas,
prenons Joseph, prenons maintenant, prenons William Branham lui-même. Vous savez là où il tire ça? Quand il dit que c'était juste un souhait. Vous savez là où il tire ça? Je vais vous lire là où il tire ça. Ils prennent ça dans la brochure ou la prédication de Frère Branham. La prédication, les esprits séducteurs. Ils peuvent lire ça pour avoir le contexte au paragraphe 21 à 25. Je crois au paragraphe 24 ou 23. Frère Branham dit ceci, écoutez. Les esprits séducteurs. Il dit ceci. Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu. Et puisse ta vie être une bénédiction. Puisses-tu être prophète, Joseph? C'est ça l'écriture qui le pousse à dire que c'était de simples souhaits. Oui, apparemment. Nous tous, nous avons un peu passé sur les bancs de l'école quand on dit « puisses-tu hein? ». C'est un souhait, n'est-ce pas? Mais vous savez, Frère Branham nous a appris une chose. Si vous voulez fonder ou défendre la vérité, ne vous référez pas seulement à un seul endroit ou à une seule écriture. Parce qu'il suffit qu'il y ait deux ou trois témoins de déclaration pour poser le fondement de la chose ou pour donner un argument solide. Maintenant, je vais vous lire d'autres déclarations de Frère Branham. Écoutez, Frère Branham, lui qui avait dit « puisses-tu », n'est-ce pas? Mais écoutez, Frère Branham, qu'est-ce qu'il va nous dire ici encore? Je suis dans la soif pour la vie. Prêché le 28 juillet 57. Donc, Joseph Branham avait pratiquement 2 ans. Parce que Joseph Branham est né le 19 mai 55. Je suis au paragraphe 14. Écoutez maintenant, Frère Branham. Je prends l'endroit essentiel. Et à l'autel, lors de la consécration de mon petit garçon, pour une raison ou pour une autre, j'ai été inspiré à dire « Joseph, tu es le prophète de Dieu ». Ici, quand Branham nous rappelle les jours de la consécration, Branham ne dit plus « puisses-tu ». Il dit plutôt qu'il était inspiré à dire « tu es prophète de Dieu ». Je prends encore une autre prédication de Frère Branham, tenue de conférence, prêchée le 8 juin 60, paragraphe 72. Écoutez encore Frère Branham dit, il dit « quand je l'ai pris dans mes bras, faisant allusion à son fils Joseph, l'esprit m'a saisi et a dit « Joseph, mon fils, tu es prophète. » Frère, ici, là-bas, dans la soif pour la vie, Frère Branham dit qu'il a été inspiré à dire. Ici, il précise que c'était l'esprit qui l'avait saisi. Et quand l'esprit l'avait saisi, il avait dit « tu es prophète. » Donc, faisons attention avec la grammaire du prophète. Vous voyez? Qui peut nous expliquer « puisses-tu être prophète ?» C'est le vieux Béka? C'est toi? C'est moi? La personne lui-même, comme on dit, il a de l'âge. Bonhomme lui-même, avant de partir, s'il nous avait laissé comme ça, on aurait tous cru que c'était un simple souhait. Mais il vient, des années plus tard, il nous rappelle que ce n'était pas des souhaits. C'était Dieu en Branham qui disait ça. Troisième citation. Vous allez encore voir que les gens blaguent avec le feu. Je prends de ce moment-là. Prêché le 16 juillet 60. Ici, Joseph doit avoir déjà, je crois, 5 ans. Paragraphe 116. Écoutez, Frère Branham encore. Il dit, en effet, les jours de sa consécration, tu y as parlé. Tu y as dit. Qui avait dit? Dieu. Tu y as dit, Joseph, tu y es prophète. Donc,
Avec tous les respects, que le vieux Béka apprenne à dire ce que disait le band. Le vieux Béka, le pasteur Béka, qui est mon évêque, doit cesser de dire que c'était des simples souhaits. Qu'il ne le compare pas aux souhaits que lui a toujours eu sur son fils Ekalala. C'est incomparable. C'est un blasphème de comparer les souhaits du prophète avec les souhaits d'un simple Éphésiens 4. Ça, c'est jouer avec les feux. C'est jouer avec les feux. Joseph William Branham nous vient de nous préciser que lorsqu'il avait dit « Puisses-tu être prophète ?» ce n'est pas lui qui disait ça. C'est Dieu en William Branham qui disait « Tu es prophète. » Donc, pour ce qui concerne si c'était souhait ou pas, on doit écarter ça, n'est-ce pas? Maintenant, pour aller maintenant à votre question, si quelqu'un continue après cette émission de dire que c'était toujours des souhaits, il n'est pas courant du message. Parce que frère Branham me dit, quand quelqu'un ne dit pas ce que j'ai dit, il ne croit pas ce que j'ai dit. Lisons ça. Frère Branham dit ça dans CO2, page 797, question-réponse numéro 1, 64, paragraphe 245. Écoutez ce que Frère Branham dit. Non, monsieur, ne mettez pas votre propre... Tout homme ou toute femme qui ajoute quoi que ce soit à ce que j'ai dit, ne croit pas ce que j'ai dit. Donc, avec l'amour, parce que l'amour aussi réprimande. Hein, Jésus avait dit, je reprends ce que j'aime. C'est l'amour qui me pousse à réprimander les révérends Barouti. J'ai le plein tour de les réprimander. Le révérend Barouti doit cesser de comparer son souhait à celui du prophète. Le souhait du prophète, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi le Seigneur. Joseph Branham, c'est un prophète à part entière. Maintenant, la question que vous avez posée là, si le prophète est mineur ou prophète est majeur, d'abord, je peux lancer le défi à tout croyant du message confondu, prédicateur, laïque, évêque major ou évêque colonel, évêque général, qu'il me dise, qu'il me donne plus qu'une seule citation du frère Branham où il aurait dit que Joseph est un prophète mineur. Ça n'existe pas. Nulle part, Branham aurait dit que Joseph est un prophète mineur. Il a toujours dit, Joseph, mon fils, tu es prophète tout court. Maintenant, pour savoir si les majeurs ou mineurs, ce n'est pas à moi d'expliquer, ce n'est pas à moi de présumer ou de tâtonner ou de raisonner. Non, lisons simplement les prophètes. Nous allons savoir, et toi et moi, et tous ceux qui nous suivent, s'il est réellement majeur ou mineur. Je prends une déclaration de Frère Branham. Voyons Dieu. C'est prêché le 29 novembre 59. Écoutez Frère Branham. Paragraphe 23. Quand je l'ai consacré au Seigneur, ce matin-là, il y avait beaucoup de petits bébés à l'avant avec leur mère, le long de l'autel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans penser à ce que je disais, j'ai dit, Joseph, mon fils, tu es prophète. C'est ma prière en tout cas. Et je crois qu'il en sera ainsi un jour. Branham croyait qu'un jour son fils sera prophète, mais les autres ne font que continuer à dire que c'était des souhaits. Pendant que le prophète croyait, lui croyait. Vous voulez croire quoi? Branham continue. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné. Ce n'est pas Satan qui va prendre mon frère. Ayez un peu du respect, non? Même si vous ne respectez pas Joseph Branham, néanmoins, respectez la personne qui a parlé, non? Celui qui a parlé, ce n'est pas mon oncle, ni votre tante, ni notre cousin. C'est le Dieu créateur en Branham qui a parlé. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné. Ne raisonnons pas. Qu'est-ce que Dieu avait donné à Frère Branham? La guérison. Qu'est-ce que Dieu avait donné à Frère Branham? Le discernement. Qu'est-ce que Dieu avait donné à Frère Branham? La parole. Qu'est-ce que Dieu avait donné à Frère Branham? L'ange du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu avait donné à Frère Branham, y compris la chair du Branham tabernacle?
Qu'est-ce que Dieu a donné à Frère Branham? Les croyants, Dieu avait dit à Frère Branham quoi? Si tu amènes les gens à te croire. Tout ce croyant que Dieu avait donné à Frère Branham, Dieu l'a donné aujourd'hui à Joseph. Branham dit tout. Alors qui sommes-nous pour dire que non, quelque chose? Les gens répondront. Les gens blaguent. Ils sont venus faire des blagues. Ils sont venus faire les jardins d'enfants dans ce message. C'est leur problème. Moi, je ne blague pas. Moi, dans ma vie, je ne fais pas de compromis. Dieu m'a créé des façons. Quand je vois que c'est la vérité, même si vous tous vous êtes contre moi, je m'en fous. Branham me dit, Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné. Tout. Et il les doublera deux fois. Papa. Une personne qui a le double de William Branham. Vous voulez jouer une telle personne? Arrêtons-nous seulement ici. Il dit que c'est Dieu qui va faire ça. Et je vous dis, Branham me dit, l'interprétation, c'est l'accomplissement. Écoutez. Et il mettra cela sur ce garçon. Et puis, quand je partirai, alors il me remplacera. Frère, ne raisonnons pas. Branham est-il physiquement déjà parti, vrai ou faux? Selon cette citation, Joseph Branham a-t-il déjà remplacé William Branham ou pas? Selon la citation, il l'a déjà remplacé. Et s'il l'a remplacé, il l'a remplacé en tant que qui? Qui était Branham? Frère, faisons une analyse, une simple analyse. Si le gouverneur, par exemple, meurt, je ne souhaite pas ça, ou un gouverneur meurt dans une ville, celui qui les remplace, on l'appellera vice-gouverneur. Si un président meurt, celui qui vient le remplacer, on va l'appeler vice-président. Qui est ce faux entraîneur? Si on fait sortir le numéro 10, il va faire entrer les gardiens. Où il va faire entrer, on fait sortir l'attaquant, lui fait entrer le défenseur. Quand on fait sortir le numéro 10, on ne peut faire entrer que le numéro 10. Hein, frère? Avez-vous déjà vu un caporal qui est le double d'un général? Si Joseph est un prophète, un mineur, comment il doit avoir le double des majeurs? Branham était biblique. Lorsque Branham, sous l'onction, dit que Dieu donnera la double portion de mon esprit. Retournons à la Bible. Est-ce qu'Élisée était un prophète éminent? Lui qui avait la... Parce que quand nous retournons à la Bible, la personne qui avait la double portion d'un autre prophète, c'était Élisée. Élisée avait la double portion d'Élie. Est-ce que Branham dit qu'Élisée était éminent? Qu'est-ce que les gens cherchent? Maintenant, vous voyez qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, d'autres mains, comment expliquer autour du mot remplacer, remplacer, remplacer? Qu'est-ce que signifie remplacer? Si vous prenez, si vous prenez la Bible, vous prenez 1 roi 19. On dit là-bas, quand Dieu avait dit à Élie que quand tu descendrais, tu oindras les rois d'Israël, les rois de Syrie, et à troisième lieu, tu oindras Élisée, écoutez, comme prophète à ta place. Élisée était le prophète à la place d'Élie. Maintenant, être prophète à la place d'Élie, selon William Branham, ça veut dire quoi? Même là aussi, quand les gens se réclament la place des frères Branham, ils ne comprennent pas les dangers et les conséquences. Qu'ils s'autoproclament aussi clairement, je vais leur donner la citation qu'eux maintenant prennent ça en considération. Si réellement ils ont remplacé eux aussi, William Branham, qu'ils essayent de dire là. Remplacer, ça veut dire quoi, frère Branham? Lisons, frère Branham. Écoutons comment Branham explique les mots remplacer. Je suis dans les respects, prêché le 15 octobre 61. Oh, gloire à Dieu. C'est aussi le 15 octobre que moi j'avais quitté l'église primitive. Et nous allons faire allusion à ça aussi le dimanche. Écoutez. Au paragraphe 121, je lis rapidement. Élie, après son temps, bien sûr que les gens les haïssaient
parce qu'il avait fait venir cette famine dans le pays. Il y avait des gens qui avaient appris à leurs enfants qu'Élie, un homme comme cela qui avait été pris et enlevé au ciel, avait vraisemblablement dû être tué quelque part, puis simplement enterré et caché. Il ne croyait pas cela. Maintenant, écoutez, ça 22. Ainsi, Élisée prit sa place. Écoutez comment on va expliquer ça. Il était maintenant le messager de ses jours, après qu'Élie y était enlevé. Donc, remplacer la place du messager, c'est devenir le messager à la place du premier messager. Quand Élie était parti, Élie était messager, n'est-ce pas, de cet âge-là. Une fois Élie parti au ciel, Élisée, en remplaçant Élie, il était maintenant le messager de ce même âge à la place d'Élie. Donc, quand frère Branham dit « Après moi, mon fils Joseph va me remplacer », il voulait dire quoi? Il voulait dire ceci. Quand lui partirait, pour vous, regardez Joseph là comme messager à ma place. Donc, je le dis sur base de cette citation, Joseph Branham est mon messager actuellement. Joseph Branham est votre messager. Joseph Branham est le messager du révérend Baruch Tikason. Et tous ces hommes de Dieu-là, qu'ils veulent ou pas, il est leur messager. Est-ce que Jézabel acceptait qu'Élie était son pasteur? Mais il était son pasteur. Joseph Branham est le messager de tous les coins de la terre. Autant que Branham aussi, quand il était sous la terre, il était le messager de tout le monde. Ça, frère, c'est la vérité. Mais je sais qu'il y aura une question que les gens ont toujours mal compris et ils s'attardent là-dessus pour dire « Ah non, maintenant, si tel est le cas, frère Branham a dit Dieu n'a jamais eu deux messagers majeurs en même temps. Je vais les aider. » Frère, moi je ne crois pas que dans ce message, il y a des contradictions. Branham ne peut pas dire une chose et contredire ça ailleurs. Non. La citation que les gens prennent souvent, Branham en parle, c'est vrai, il y a plus d'endroits où il en parle. Mais je prends le cas isolé de exposer page 320 à 321. Ils me diront, mais ah, oh, mais Frère Branham avait dit que dans un âge, on ne peut pas avoir deux messagers majeurs, n'est-ce pas? Ok. Je vais lire ça. Ils ont raison, mais en partie. Lisons Frère Branham. Premièrement, il dit ceci. Avant de conclure cette section sur le messager de l'âge de l'Odyssée, nous devons considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement, cet âge aura un seul messager prophète. Apocalypse 17 dit, quand il, au singulier, sonnerait de la trompette. N'est-ce pas? C'est Branham qui explique l'écriture. N'est-ce pas? Mais maintenant, pour asseoir son explication, il va dans tous les âges. Écoute ce qu'il dit. Dans aucun âge. Il ne faut pas seulement voir l'Odyssée. Il a d'abord montré que l'âge de l'Odyssée n'aura qu'un seul messager, prophète. Mais pour asseoir ça, il prend l'écriture dans tous les âges. Il dit, dans aucun âge, Dieu n'a donné à son peuple deux prophètes majeurs en même temps. Branham dit quoi? Dans aucun âge, y compris aussi l'âge de l'Odyssée, n'est-ce pas? Écoutez maintenant. Il a donné Enoch seul. Il a donné Noé seul. Il a donné Moïse. Lui seul avait la parole. Même si d'autres prophétisaient, Jean-Baptiste est venu seul. Ok, frère, arrêtons-nous un peu. Ils ont un peu le cas d'Enoch et Noé. Branham dit quoi? Il a donné Noé seul. Quand Enoch était messager, Dieu n'a travaillé qu'avec Enoch. Quand Noé était messager, Dieu n'a travaillé qu'avec Noé. Je lis, frère Branham. Il a donné Enoch seul. Il a donné Noé seul.
Maintenant, prenons aussi d'autres citations. Comment Enoch a travaillé dans son âge? Ok. Je prends les cinq jonctions du temps. Prêché le 22 janvier 56. Suivez attentivement. Fabandis au paragraphe 53. Dieu avait un homme sur terre qui était authentique et son nom était Enoch. Il a prêché et il a marché dans l'intégrité devant Dieu. 54. Il y en avait un autre du nom de Noé. Écoutez, Dieu a toujours eu ses deux témoins. Oh là là. Tous les deux sont apparus sur la scène prêchant l'évangile. Qu'est-ce que mes bien-aimés frères diront maintenant à l'égard de cette citation? Là-bas, dans l'exposé, Bonhomme a dit quoi? Il a donné Enoch seul dans cet âge-là. Il a donné dans la jonction du temps. Fabanam va répéter presque la même chose là-bas. Écoutez comment il va parler. Parce que, vous voyez, ce message, hein, il faut que Dieu nous fasse grâce pour répéter exactement ce que Branham dit. Je prends la jonction du temps. Là-bas, j'avais lu les cinq jonctions du temps, n'est-ce pas? Ici, je prends la jonction du temps, prêché le 15 janvier 56, donc une semaine avant. Paragraphe 13, écoutez. Et remarquez, à l'époque, en ces jours mauvais, juste avant la destruction, Dieu avait là un homme qui prêchait l'évangile. Un homme pauvre, un homme humble, sans grand-chose du monde, mais un homme au cœur qui attend Dieu, Noé. Noé et Enoch qui prêchaient au même moment. Ils étaient des contemporains, seulement Enoch était le grand-parent de Noé. Qu'est-ce que les gens diront ici? Maintenant, Frère Branham continue la lecture. Et nous continuons la lecture de Frère Branham. Il dit, et si vous remarquez là, dans Apocalypse 11, il est dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir dans les derniers jours. Frère, qui peut enseigner plus que William Branham? William Branham, pour justifier le fait que Enoch et Noé prêchaient au même moment, il prend Apocalypse 11. Qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse 11? Je donnerai à mes deux témoins. Branham, c'est qui? C'est Élie et Moïse. Ah. Vous voyez maintenant que, bibliquement, les gens ont mal compris quand Branham dit que Dieu n'a jamais donné à son peuple, n'a jamais, dans aucun âge. Après l'enlèvement, nous enterrons dans un autre âge, qui serait l'âge des Juifs. Mais remarquez Branham, à aucun âge, donc y compris même l'après-enlèvement, Dieu ne va jamais donner à son peuple deux prophètes majeurs au même moment. Mais remarquez, après l'enlèvement, il y aura Élie et Moïse. Élie était mineur, ou Moïse sera mineur. Vous voyez, tous étaient des majeurs. Mais ça veut dire quoi? C'est là que ça nécessite un enseignement profond et non pas superficiel. Branham dit, quand vous apportez un enseignement superficiel, plutôt, quand vous faites une étude superficielle, vous n'en tirerez qu'une compréhension superficielle. Plein de citations, je pourrais vous lire, même dans les conflits entre Dieu et Satan, pour gagner le temps, là-bas, les gens peuvent prendre les conflits entre Dieu et Satan. Faut Branham dit que le matin, tous deux sortaient. Enoch allait prêcher à l'est, Noé à l'ouest. Le soir, ils dormaient ensemble. Ils prêchaient le même évangile. Maintenant, est-ce la confusion? Comment deux prophètes majeurs peuvent prêcher au même moment? Alors que Branham a dit, Dieu a donné Enoch seul. Dieu a donné Noé seul. C'est quoi au juste? Frère Branham n'est pas un prédicateur de confusion. Quand Frère Branham dit Dieu n'a jamais donné à son peuple des prophètes majeurs au même moment, ça veut dire quoi? Lui me l'a expliqué, il explique ça.
Il dit ceci. Regardez par exemple. Enoch et Noé étaient des contemporains, n'est-ce pas? Enoch majeur, Noé majeur. Et tous vivaient ensemble. Mais remarquez, mais Dieu a commencé d'abord par utiliser Enoch. Pendant que Dieu utilisait Enoch, Noé l'observait. Frère Branham dit que Enoch était le signe pour Noé. C'est plutôt quand Enoch fut enlevé que Noé a compris que maintenant c'est mon tour de prendre la place de Enoch comme messager. Personne ne me dira le contraire. Enoch était messager, Noé aussi messager. Mais Dieu n'a jamais utilisé deux personnes au même moment. Non, 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 non. Vous pouvez être là deux ou trois au même moment. Mais pour utiliser, il attend d'abord que l'autre parte. Dieu n'utilise pas un monstre. Non, non, non. Vous voyez. Nous venons au du temps d'Élie. Élie était là. Élisée était là. Mais Élisée, pendant qu'Élie était là, Élisée était le croyant d'Élie. Mais c'est lorsque plutôt Élie est parti, Élisée est devenu le majeur, plutôt le messager. Prenez le cas de Josué, Moïse et Josué. Paranam dit que dans Dieu dévoilé, paragraphe 154 à 155, Paranam dit là-bas, pendant que Moïse était là, Josué était son chrétien, Josué était son croyant, le croyant de Moïse et tout. Et Branham continue en disant, la parole ne pouvait pas venir à Josué tant que Moïse était là. Mais quand Moïse est parti, la parole pouvait maintenant venir à Josué. C'est ainsi, si vous prenez le signe de 63, de septembre, excusez-moi 63, Frère Branham dit au paragraphe 310, je crois 302 ou 303, et aussi 310. Branham dit, Josué, le messager du jour. Josué était messager, après que Moïse était parti. Si vous prenez aussi le cas de Jésus et Jean-Baptiste, même chose, deux prophètes au même moment. Mais tant que Jean-Baptiste était là, Jésus était qui? Le coin de Jean-Baptiste. Et Frère Branham dit même que pour que Jésus aille se faire baptiser, qu'il avait personne d'aller dans les eaux du baptême. C'était Lazare, son ami, parce que Jésus et Lazare dormaient ensemble. Un jour, Lazare a dit à Jésus, « Mon frère, allons un peu, il y a un prophète qui est apparu là-bas, allons un peu l'écouter. » Donc, celui qui avait, en d'autres termes, prêché Jésus, c'était Lazare. Mais quand ils sont arrivés là-bas, Jean-Baptiste étant prophète, il a dit que non, celui-là est plus grand que moi. Il a refusé de le baptiser. Mais regardez, Jésus a dit, laissons, on doit accomplir toute justice. Je vais vous surprendre à quelque chose ici. Frère Branham interprète les déclarations faites par qui? Faites par Jean-Baptiste. Écoutez un peu, je ne sais pas si les gens vont dire quoi. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je prends, votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêchez le 30 juin 63, paragraphe 265. Écoutez, Jean dit, quand Jésus venait dans les eaux du baptême, Jean dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi? Leur regard à tous deux se croisèrent, un prophète et son Dieu. Amen. Ne pourriez-vous pas, j'aurais aimé me tenir là pour voir cela, voir ce regard sévère et profond des gens s'abaisser et croiser les regards sévères et profonds de Jésus. Dans la chair, ils étaient des cousins issus des Germains. 266. Jésus a dit, Jean, laisse faire maintenant, car cela nous incombe de nous sommes. Écoutez, nous sommes les messagers de cette ère-ci, au pluriel. Jean dit à Jean, laisse faire, toi et moi, nous sommes deux messagers au pluriel. Jésus qui dit à Jean, nous sommes le messager, au pluriel. Quand Branham disait comme ça que Jésus avait dit à Jean, nous sommes les messagers,
Branham ne savait pas que dans un âge, il y a seulement un seul messager. L'influence. Une autre prédication. Prêcher le 3 août 63. Paragraphe 99. Écoutez. Maintenant, voici ce que c'est. Voyez, il y avait là deux personnes, deux personnalités les plus importantes sur terre. Il y avait Jean, le prophète. Il y avait Jésus, le Messie. Et eux deux, des hommes qui portaient le message du jour. Eux deux, les hommes qui portaient le message du jour, se sont rencontrés face à face dans l'eau quand leurs yeux se sont croisés. Faut Branham encore souligner que eux deux ont porté le même message. Pourquoi? Tous deux étaient le messager au pluriel. Donc, dans un même âge, on peut avoir deux messagers majeurs. Mais Dieu ne peut pas les utiliser au même moment. C'est ainsi que Jean, il devait diminuer pour que Jésus prenne sa place. Et Frère Branham dit, diminuer, cela veut dire quoi? Quitter la scène pour que l'autre prenne la place. Les gens encore qui écoutent Joseph Branham diront ceci. Mais pasteur, vous élevez Joseph Branham à la place qui ne lui revient pas pendant que lui-même refuse ça. Il a refusé ça où? Il dit, oh non, parce que lui-même se nomme Éphésiens 4. C'est ça aussi le problème. Laissez-moi vous dire, mon frère, quand on parle d'Éphésiens 4, il y a Éphésiens 4 et Éphésiens 4. Frère Branham dit ceci. Chaque écriture a plusieurs applications, a plusieurs sens, plusieurs révélations. Éphésiens 4 ne parle pas seulement des dons mineurs, non. Ce n'est pas l'enseignement de Frère Branham. Frère Branham dit, il y a trois choses qu'on ne doit pas faire. Mal placer la parole, disloquer la parole, mal interpréter la parole. Il y a un contexte où Frère Branham différencie les Éphésiens 4 avec lui-même comme messager. Là, vous lisez ça dans Exposé, page 243 à 244. Ok. Mais il y a un autre contexte où Branham lui-même se présente comme Éphésiens 4. Il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à traiter Jésus dans Éphésiens 4. Qu'est-ce que les gens diront maintenant? Là, je m'en vais directement vous lire ça. Parce que les gens pensent que quand Joseph Branham dit qu'il est Éphésiens 4, il s'est contredisé. Non, lisons Frère Branham. Je m'en vais directement là-bas. Un paradoxe prêché le 17 janvier 65. Ici, ils n'auront pas l'occasion de dire que non, il avait prévu ça avant l'ouverture des sceaux. Ici, c'est juste quelques mois après sa mort, avant sa mort. Un paradoxe, comme je viens de dire là, paragraphe, page, plutôt, de l'année 17 janvier 65, paragraphe 70. Écoutez, Frère Branham, suivez avec beaucoup d'attention. J'aimerais aussi que ceux qui nous suivent ici écoutent avec beaucoup d'attention. Écoutez. Mais on nous a promis, selon Apocalypse 10, selon quoi? Hein, frère? Selon Apocalypse 10. Et selon Malachie 4. Et selon Luc 22, 17. Donc, il voulait dire Luc 17. Ainsi de suite. Qu'un Éphésien doit venir pour cela? Je ne sais pas si tu m'as bien suivi. Selon Apocalypse 10, selon Malachie 4, un Éphésien doit venir pour accomplir cela. Je continue. Cela est promis là. C'est moi qui parle. Papa, ce message est vaste. Ce message est vaste. Je continue. Cela est promis là, mes amis. Un Éphésien doit venir afin que ce type le mystère de la parole de Dieu soit révélé. Donc, le ce type le mystère, c'est quoi? Les sept sont, n'est-ce pas? Qui a révélé sept selon cette déclaration? Pendant que c'est un effet, un Éphésiens 4. Et c'est dans l'âge de la Odyssée que cela a lieu. Je crois que nous sommes là. Je saute, 71. Et comme Josué
avant qu'un Éphésien soit suscité, c'est ainsi que Jean-Baptiste s'est levé juste avant le prochain Éphésien. Papa, selon cette citation de Frère Banane, qui est ce prochain Éphésien qui était venu après Jean-Baptiste? C'était qui? N'est-ce pas Jésus-Christ? Maintenant, qu'est-ce que les gens diront ici? Jésus, en étant un Éphésien, il était un prophète mineur. La mauvaise compréhension. Paragraphe 5 et 6. Quand il est entré en scène, donc, parlant de Jésus, pour prouver qu'il était cet Éphésien rendu manifeste, Jean a annoncé cela. Mais Jésus était cela. Frère Banham dit que Jésus était un Éphésien 4. Qu'est-ce que les gens diront dans ce message? Quand Joseph Banham dit qu'il est un Éphésien, il est en train de vous dribbler. Parce qu'il faut que vous ne croyez pas à son ministère. C'est pourquoi il vous dribble comme ça. Et maintenant, Joseph Banham a dit qu'il est un Éphésien 4, il fait les choses au dominaire. Que direz-vous maintenant de William Branham? Quand il s'est collé, il faisait un cadre. Il faisait les hommes dominés. Est-ce qu'un Éphésien mineur peut remplacer un Éphésien majeur? Vous savez, quand un prophète voit que vous ne croyez pas à son ministère, il va vous répondre selon votre croyance. Il regarde, il voit que les gens ne croient pas à son ministère. C'est pourquoi il se camoufle dans les mots Éphésiens 4. Mais même là aussi, nous allons vous poursuivre. Il n'est pas n'importe quel Éphésien 4, a dit Branham. Il y a Éphésiens 4 et Éphésiens 4. 117. Nous avons cet âge de l'Église et il nous est promis que dans l'âge de l'Église de Laodicée, il y aurait un autre Éphésien. C'est vrai. Et nous y sommes. Frère Branham nous a démontré clairement que lui-même est un Éphésien 4. Jésus-Christ est un Éphésien 4. Est-ce biblique? Oui, monsieur, c'est biblique. Prenez Malachie 4. Voici, je vous enverrai. Banham dit, le mot envoyé, c'est synonyme au mot apôtre. Dans les cinq ministères, n'y a-t-il pas les ministères d'apôtres? C'est un Éphésiens 4. Prenez Hébreux chapitre 3. Paul dit, considérons l'apôtre et les souverains sacrificateurs que nous professons. Hébreux 3, verset 1. Jésus est l'apôtre. Et l'apostolat fait partie des cinq ministères. C'est un Éphésiens 4. Donc, c'est un faux débat. Quand Joseph Banham se déclare être un Éphésiens 4 parmi tant d'autres, il ne faisait pas les gens dominés. Sinon, il serait lui-même en contradiction avec son père a dit le concernant. Joseph Branham, c'est un prophète majeur. Voilà pourquoi, connaissant qui est Joseph Branham, et voir un Éphésien mineur, hein, ne connaissant pas qui est Joseph, et aller jusqu'à déclarer que Dieu va le frapper. Non, je dois réagir. Je dois lui dire, taisez-vous, vous ne savez pas à qui vous parlez. Je dois lui dire ça, parce que frère, c'est la personne qui est la double portion de William Branham. Ou plutôt, c'est la personne qui avait une portion seulement. Vous le craignez en tremblant. Est-ce que l'homme comme Baruti peut dire à William Branham que Dieu va le frapper? Frère, binoto bogotombogate. Si vous avez un oyo, aye kozwa double portion. Ya moto bozo banga. Yo président va vous frapper. Tout ça va blague ton nez. Nous blaguons ou quoi? Frère, n'allez rien à poche à moutouté. Je ne mange pas dans la poche de quelqu'un ici. Non. Moi, j'écris ce message pour aller au ciel. Et j'ai le plein droit. Je ne permettrai à personne de piétiner ce message. La personne qui oserait piétiner ce message me trouvera sur son chemin. S'il va me tuer, qu'il me tue, je suis prêt à sceller ma vie par les 100 pouces à cause de ce message. Si les gens qui ont peur des bécas, c'est leur problème. Moi, je n'ai pas peur de Béka. Je suis là pour défendre la parole jusqu'à la dernière énergie. Je ne suis pas là pour Béka. Ce n'est pas Béka qui m'a fait prédicateur. La même personne qui avait appelé Béka et qui a donné la commission, la même personne aussi m'a appelé.
Mao s'est donné la commission. Parce que nous tous, nous ne parlons pas. Moi aussi, Dieu m'a dit des choses que je dois faire. Je ne suis pas là pour dire ça. J'ai mon appel spécial que Dieu m'a donné. Ça ne... Je garde ça pour moi-même. Je ne suis pas là pour parler et pour échouer plus tard. Non. Parce que j'ai remarqué, la plupart de celles qui font beaucoup de bruit pour leurs appels sont toujours entrés dans les rancards. C'est pourquoi les aînés nous ont servi de leçon pour se taire. Les ministères, ce n'est pas beaucoup de paroles, ce sont les actes. Vous voyez? Donc, si j'ai osé dire ça, c'est parce que, en regardant qui est Joseph, je ne peux pas laisser n'importe qui, Dieu n'importe quoi. Joseph Branham, c'est un grand prophète pour qui William Branham s'attendait et croyait qu'un jour il allait diminuer devant cette personne-là. Alors je ne peux pas permettre à n'importe qui de le minimiser. Non. En tant que croyant, je dois hausser le ton, je dois réagir. Voilà la raison de ma réaction. Mais pour ces points-là, nous entrerons, mon frère. Certainement, merci, pasteur. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On vous promet, fidèle de www.gospelcosmonet, dans les semaines qui vont venir, on va faire toute une série des émissions avec le pasteur David Lituka, parce que lui, il nous reçoit avec toute simplicité. Merci, pasteur, pour cette élégance et simplicité de nous recevoir dans l'enceinte de ton église. Un mot de la fin pour ce peuple de Dieu qui va vous suivre dans le monde entier. Bon, le mot de la fin, si je peux souligner, c'est que les gens ne me comprennent pas mal. Je n'envie pas le succès de Beka, je n'envie pas sa taille, je ne deviendrai jamais Beka, et Beka non plus ne deviendra jamais moi. Il est grand, il a fait son travail qui est remarquable, nous voyons ça tous. Mon problème, ce n'est pas contre sa personnalité, non. Mon problème est contre toute personne, contre tout esprit, comme l'a dit l'apôtre Paul. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants de l'île céleste. Toute personne, qui que vous soyez. Paul respectait beaucoup Pierre, mais lorsqu'il a vu un jour Pierre dévier, il a réprimandé en public en face. Donc, je suis là. D'ailleurs, c'est ça l'amour. L'amour ne flatte pas. C'est pour les bousculer un peu, qu'ils puissent revenir sur le droit chemin. Hey, c'était comme ça. Parce qu'on ne doit pas laisser n'importe qui jouer avec ce message. Ce message, c'est notre vie. Ce message, c'est notre salut. Ce message, c'est notre enlèvement. Ce message, il y a tout dans ce message pour notre bien. Et Dieu l'avait préparé pour nous. Donc, si j'ai offensé quelqu'un, si quelqu'un m'a mal compris, qu'il me pardonne. Et je ne suis pas là pour combattre les vieux Beka, je suis là pour combattre toutes sortes de fausses doctrines. C'est ça mon ministère. Alors, si le vieux Beka retourne sur le droit chemin, il commence à peser, à surveiller ses mots, ok, on va l'applaudir. Je vais le dire ici. Il est actuellement le plus ancien croyant du message. Actuellement, c'est tous ceux que vous voyez comme prédicateurs, c'est lui qui les a prêchés, non? Les vieux là sont tous partis, les Mukuna est parti tout et tout. C'est lui qui est resté comme là, le plus ancien pasteur. Donc il mérite son respect, mais qu'il reste à sa place pour ne pas prendre la place de Joseph Branham. Là, on ne le permettra pas. D'accord, merci pasteur. Amis et fidèles de www.gospelcross.net, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Si vous avez des questions à poser, laissez vos questions sur notre adresse email info@gospelcross.net. Laissez vos questions, on va revenir dans des prochaines semaines pour parler avec le pasteur David Lituka. Merci à ces peuples de Dieu qui nous suivent à l'étranger, ici à Kinshasa. Merci au manager de Gospel Cross. Je vous retrouve tout au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse et au revoir.
this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than him when it comes to construct.